Bonsoir. Faut garder le sourire, a priori. Je garde le sourire. Oui, vaut mieux de toute façon. Je pense qu'aujourd'hui, autant sur les matchs précédents, je m'accrochais à quelque chose. Parce qu'il y avait, je dirais, notamment une mi-temps, une heure de jeu. Il y avait quelque chose sur lequel on pouvait construire. Je pense qu'aujourd'hui, on a touché le fond. Je veux dire, autant de déchets techniques, autant de mauvais choix, autant de... Voilà, j'ai envie de dire, par rapport au dernier match, ça ne reflète pas ce que je voyais. Là, on est descendu d'un cran techniquement, à tous les niveaux. Il y a la voix un peu cassée, vous avez la voix dans le vestiaire, sur le bord du terrain. Oui, bah, ça, ça fait partie du jeu. C'est vrai qu'un entraîneur qui est obligé de t'en parler, c'est pas forcément une bonne chose. C'est qu'il a beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que vous avez dit ? Comment ce non-match ? Écoutez, par rapport à Metz, ça, et les matchs précédents, en termes techniques, je parle de jeu, de c'est difficilement explicable. J'ai envie de dire, on était parti avec trois attaquants. J'ai trouvé que c'était pas assez percutant, donc on fait des changements en espérant justement avoir le maintien du ballon, puisqu'on ne l'avait pas tellement. Et puis finalement, on l'a perdu totalement sur la deuxième mi-temps. Donc à partir de là, je le répète, il y a autant de déchets techniques sur les passes, sur les intentions, sur c'est difficile de pouvoir exprimer quoi que ce soit. Ben là, on était dans un cycle de trois matchs en une semaine. Donc forcément, quand on voit la prestation de ce soir, on peut s'attendre. Après, j'ai envie de dire, c'est vrai que pour certains, c'était, je pense à Rafik, c'était de ne pas le faire jouer en prévision de deux matchs qui sont pour nous plus importants. Mais on s'aperçoit que c'est compliqué. Et si certains ne sont pas là, c'est parce qu'à l'entraînement, à travers ce que l'on peut voir... Il y a quelques difficultés sur des joueurs qui sont peut-être plus techniques, mais qui aujourd'hui ont du mal, je dirais, par rapport à ce qui est demandé. Donc, mais de toute façon, oui, il y aura du changement. On ne peut pas faire un match de ce niveau technique et de se dire que dans 4 jours, on ne va pas faire de changement. Non, forcément. Même si ceux qui peuvent les remplacer, aujourd'hui, je ne suis pas convaincu qu'ils pourront donner la pleine mesure de ce qu'ils peuvent donner pour X raisons. Ben écoutez, on est en discussion avec le président. Il y a eu des réunions déjà dès cet après-midi. Depuis quelques temps, j'avais mis quand même le souhait de recruter. Donc c'est vrai que j'aimerais avoir une base défensive plus solide pour justement pouvoir se libérer sur l'aspect offensif. Voilà, on est l'idée de recruter, oui, l'idée de recruter. Plusieurs joueurs, si vous voulez me faire dire après un tel match combien il en faut, je vais vous dire il en faut beaucoup. Mais l'idée, on va quand même rester sur ce qui était positif, en tout cas moi sur les matchs où j'ai pratiqué. Je pense qu'on avait la qualité de jeu, je voulais être plus fort défensivement pour pouvoir se libérer encore plus. Donc on est sur l'aspect défensif, oui j'aimerais plusieurs joueurs. Le match de Sochaux là dans 4 jours est... On est chez nous, c'est un match, oui, plus que capital. Donc aujourd'hui, en 4 jours, il faut qu'on se remette la tête à l'endroit. Il faut qu'on essaie de pas tomber dans le doute, dans les craintes, les incertitudes. Parce qu'alors là, le spectacle serait encore plus difficile. Vous y attendiez lorsque vous êtes revenu que la mission serait... Non, absolument pas. Non. Non, je suis un peu comme tout le monde. C'est vrai que les quelques matchs que j'ai vus, le début de saison, laissaient penser qu'on pouvait faire. Et je suis de ceux qui pensent que quand on le fait une fois, on peut le faire régulièrement. Malheureusement, pour l'instant, sur les derniers 12 ou 13 matchs, c'est plutôt compliqué.